contemplations before chanting. The Sangha is invited to come back to our breathing so that the collective energy of mindfulness can bring us together as an organism, flowing as a river with no more separation. Let the whole Sangha breathe as one body, listen as one body, chant as one body, transcending the boundaries of a delusive self, liberating us from the superiority complex, the inferiority complex, and the equality complex. The heart of perfect understanding, the Bodhisattva Avalokita, one moving in the deep course of perfect understanding, shed light on the five skandhas and found them equally empty. After this penetration, he overcame ill being. Listen, Shariputra, form is emptiness, and emptiness is form. Form is not other than emptiness, emptiness is not other than form. The same is true with feelings, perceptions, mental formations and consciousness. Listen, Shariputra, all dhammas are marked with emptiness. They are neither produced nor destroyed, neither defiled nor immaculate, neither increasing nor decreasing. Therefore, in emptiness there is neither form, nor feelings, nor perceptions, nor mental formations, nor consciousness, no eye or ear or nose or tongue, nor body or mind, no form, no sound, no smell, no taste, no touch, no object of mind, no realms of elements from mind to mind consciousness, no interdependent origins and no extinction of them. From ignorance to death and decay, no ill being, no cause of ill being, no end of ill being, and no path, no understanding, and no attainment. Because there is no attainment, the Bodhisattvas, grounded in perfect understanding, find no obstacles for their minds. Having no obstacles, they overcome fear, liberating themselves forever from illusion, realizing perfect nirvana. All Buddhas in the past, present and future, thanks to this perfect understanding, arrive at full and bright universal enlightenment. Therefore one should know that perfect understanding is the highest mantra, the unequal mantra, the destroyer of ill being, the incorruptible truth, a mantra of Prajnaparamita should therefore be proclaimed. Gate, gate, para, gate, para, sangate, bodhisattva, gate, gate.
Bonjour, cher Sangha. Aujourd'hui, c'est le 10 juin 2014 et nous sommes dans la salle de méditation Eau Tranquille, au hameau du Haut, pendant notre retraite de 21 jours. Vous pouvez regarder la plante de maïs à côté de Thaï. On voit toujours la graine de maïs qui est encore en vie dans la plante de maïs. Et la graine de maïs n'appartient pas au domaine du non-être. Même si on n'arrive plus à la voir, mais elle est encore là, elle est encore en vie. Et la plante de maïs peut parler à la graine de maïs, c'est possible. Vous pouvez parler au petit enfant à l'intérieur de vous, le petit garçon, la petite fille que vous étiez. Parce que ce petit enfant se sent peut-être seul et peut-être blessé, vulnérable, fragile. Donc vous devez parler au petit enfant à l'intérieur de vous. La plupart d'entre nous, nous sommes trop occupés. On n'a pas le temps de revenir en nous-mêmes pour prendre soin de l'enfant blessé à l'intérieur de nous. La plante de maïs peut revenir en elle et parler à la graine de maïs. Je suis ta continuation, ne sois pas effrayé. Peut-être que dans notre enfance, on a souffert, on a été abusé, on a eu des moments très difficiles. Mais maintenant, on a grandi ensemble. Et il n'y a plus de raison d'avoir peur. Je suis ta continuation. Et tu es toujours en moi, bien vivant, bien vivante. Et s'il te plaît, sors de ces... sors de la noirceur dans laquelle tu t'es enfermé. Arrête de ruminer. Tu dois sortir de cette zone d'ombre et entrer dans la lumière du moment présent, où le ciel est si bleu, où il y a des tas de merveilles de la vie qui t'attendent. On doit lui parler à ce petit enfant à l'intérieur de nous tous les jours. On peut lui parler pendant la méditation assise. Et c'est très guérissant. Vous n'avez pas besoin de passer une ou deux heures avec votre psychothérapeute. Vous pouvez juste revenir vous-même à votre enfant blessé à l'intérieur avec la méditation. Et un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui peut vous aider à faire ça, qui peut vous soutenir à faire ce travail. Et vous pouvez le faire n'importe quand. Quand vous marchez aussi. Par exemple, de votre parking jusqu'à votre bureau. Vous pouvez imaginer que vous prenez la main de ce petit enfant à l'intérieur de vous et marchez avec lui, avec elle. Et avec chaque pas, vous pouvez transformer votre souffrance, votre peur. Et vous pouvez toucher les merveilles de la vie afin de vous nourrir. Vous avez votre corps de dharma. Vous savez comment respirer, comment marcher. Comment rentrer en contact avec les merveilles de la vie. Donc, vous pouvez ainsi rentrer en contact aussi avec votre enfant intérieur, marcher avec lui, respirer avec lui. Et quelques jours de pratique peuvent vous apporter beaucoup de guérison, de transformation. Et vous pouvez parler
à cet enfant à l'intérieur. Vous pouvez lui chanter des chansons. Et nos compositeurs de musique ici peuvent créer des chansons. On a grandi maintenant. On n'a plus besoin d'avoir peur. On est plus fragile. On est assez solide. On a assez de joie dans le moment présent. Le royaume de Dieu est disponible. La terre pure du Bouddha est disponible. On doit retourner à ce royaume dans le moment présent et apprécier ce qui se trouve dans ce royaume. Ça, c'est notre entraînement, c'est notre pratique. Et on peut guérir ainsi. On peut trouver du plaisir. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez écrire d'autres poèmes, d'autres chansons. Vous pouvez écrire une lettre d'amour à votre enfant à l'intérieur de vous. On va dessiner un cercle qui représente la conscience du tréfonds. Alaya en sanskrit. Star, c'est la conscience du tréfonds en français, et le mot sanskrit c'est Alaya. Et on se souvient que le tréfonds ici, c'est à la fois le contenant et le contenu. C'est comme un musée. Le musée, c'est pas seulement la structure du musée, mais c'est aussi toutes les œuvres d'art qui sont contenues dans le musée. C'est l'ensemble, les deux en même temps. En sino-vietnamien, tang. Donc, dans le tréfonds, on a le contenant, celui qui contient, et le contenu, ce qui est contenu à l'intérieur. Un peu comme une ruche d'abeilles, elle est faite aussi des abeilles. C'est l'ensemble. Donc le contenant et le contenu sont toujours ensemble, on ne peut pas les séparer. On revient à l'enseignement sur le huitième corps. Le corps de la vraie nature du domaine du Dharma. Ou le corps de la vraie nature du cosmos. On doit trouver un moyen de se débarrasser de tous ces mots compliqués. Il y a trop de mots compliqués. Phap, yoy, tan, tan. Le corps de la vraie nature du domaine des dharmas, ou le corps de la vraie nature du cosmos. Donc, il explique les caractères chinois. Voilà, la vraie nature du cosmos. Ou on peut même dire la conscience du cosmos ou la conscience cosmique. La conscience cosmique, c'est plus facile. Et on peut se débarrasser de ces mots compliqués. Donc le mot sanskrit, c'est... Est-ce que vous entendez la traduction? Oui, ok. Le mot sanskrit, c'est... Dharma dhatu, thais, c'est la nature. Et kaya, c'est le corps.
donc le corps, de la vraie nature du domaine dharma ou de la vraie nature du cosmos. Et chacun d'entre nous, nous avons ce corps qui manifeste, qui rend manifeste, qui fait se manifester le beau corps du cosmos. Donc c'est un peu comme celui qui garde le musée et ce qui est contenu dans le musée. C'est un peu comme Dieu et les créatures, l'univers. Ou encore comme la vague. La vague monte et ensuite elle descend. Mais la nature de la vague, c'est l'eau. Donc la vague, elle a son corps d'eau. Mais elle a aussi son corps de vague, les deux en même temps. Et c'est très important pour elle d'être conscient qu'elle a un corps d'eau, qu'elle est faite d'eau, afin de plus avoir peur de monter, de descendre, afin de plus avoir peur de perdre son corps de vague, parce qu'elle sait que sa vraie nature, c'est l'eau. Et c'est très important, et chacun d'entre nous doit se rappeler qu'on n'a pas seulement notre corps physique, mais qu'on a notre corps cosmique. Et l'exemple de la vague est très clair et peut nous aider à comprendre facilement. La vague, elle a son corps de vague, mais elle a aussi son corps d'eau. C'est à la fois une vague et l'eau. Et ce n'est pas une question de foi, parce que c'est tellement évident, c'est tellement évident. Ce n'est pas une question de croyance. La vague, elle n'a pas besoin de croire ou de s'imaginer qu'elle est l'eau. Le fait est qu'elle est l'eau. Donc, si on a cette compréhension, alors on n'aura plus peur de perdre ce corps physique. Parce que si on ne se manifeste pas en tant que cette vague-ci, on peut se manifester en tant qu'autre vague. Et on voit déjà notre continuation dans les autres vagues. Ça, c'est notre corps cosmique, et ça, c'est notre corps divin. Et on peut se reposer en Dieu, dans le christianisme, on parle de se reposer en Dieu, tout comme la vague peut se reposer dans l'eau. Et si elle arrive à le faire, elle n'aura plus peur de l'être et du non-être. Donc c'est très important de savoir que nous avons un corps cosmique, un corps divin, un corps du nirvana, un corps d'incité. Il y a beaucoup de termes, mais ils sont tous synonymes. Donc, le tréfonds, c'est la conscience cosmique et c'est aussi notre corps. Et le tréfonds a deux parties. Le contenant et le contenu. Et le contenu du tréfonds, on sait déjà que c'est bija, c'est-à-dire les graines. Tyumta, bija en sanskrit, tyumta en sino-vietnamien et graine en français. Et un nom, un
autre nom de la conscience du tréfonds, c'est Nyatiet Kyomte, c'est-à-dire la totalité des graines. La conscience qui est décrite comme contenant toutes les graines. En sanskrit, sarva bijaka. Sarva, c'est toutes, et bijaka, c'est les graines. Donc la conscience qui contient toutes les graines, c'est la conscience du tréfonds. Et dans l'école bouddhiste Sarvastivada, qui est une école qui a survécu 1000 ans au Cachemire. En sino-vietnamien. C'est l'école qui enseigne que tout existe. Sarva, c'est tout, et Asti, c'est existe. Et Vada, c'est l'école. L'école qui enseigne que tout existe. C'est une sorte de réalisme. Donc dans cette école bouddhiste au Cachemire, ils sont un autre nom pour la conscience du tréfonds, mais ils l'appellent Mula Vijnana. Il l'appelle Mula Vijnana. Mula, c'est la racine, et Vijnana, c'est la conscience. Donc c'est la conscience racine. Kanbantuk. La conscience racine. Donc pas seulement dans le bouddhisme Mahayana, on a la conscience du tréfonds, mais aussi dans le bouddhisme Theravada, où Hinayana, on a également l'enseignement sur la conscience du tréfonds. Et dans le bouddhisme Theravada, on a ce qu'on appelle Vibhanga. C'est un courant de la conscience qui équivaut à la conscience du tréfonds. Power Anga. Dans le bouddhisme Theravada, Power Anga, Ho Phan Thuc en sino-vietnamien, réfère à la conscience du tréfonds. Pava, c'est exister, et Anga, c'est comme une partie. Donc la conscience est représentée comme un courant qui coule sans interruption, comme un cours d'eau coulant sans interruption. Il y a beaucoup de mots, beaucoup de termes. Donc, on en cite seulement quelques-uns afin de mieux comprendre la nature de cette conscience. On a encore un autre terme. Sajii. Sajii. La base, la fondation du connaissable ou de l'objet de perception. Et on peut dire que le cosmos, c'est l'objet de la perception, et la vraie nature du cosmos, c'est... Excusez-moi, j'ai pas compris. Donc,
On sait que la conscience est toujours divisée en deux parties qui vont tout le temps ensemble, le sujet et l'objet. Celui qui perçoit et ce qui est perçu. On ne peut pas les séparer, on ne peut pas retirer un de l'autre. Donc, sati, ça veut dire l'objet de la perception, c'est l'objet de notre conscience. Et cet objet, c'est la base, afin que c'est ce qui permet au sujet de se manifester. Ils s'appuient l'un sur l'autre pour se manifester, pour exister. Le sujet et l'objet et le sujet. La conscience est impossible sans l'objet. La conscience, c'est toujours conscience de quelque chose. Ça ne peut pas être la conscience tout court, toute seule. Penser, c'est toujours penser à quelque chose. Imaginer, c'est toujours imaginer quelque chose. Être en colère, c'est être en colère contre quelque chose. Donc, la conscience a toujours un objet et les formations mentales ont toujours un objet. Et c'est quelque chose de fondamental dont on doit se souvenir. Donc, le tréfonds, c'est la base de tout ce que l'on peut percevoir. Sati i shneya, c'est le connaissable. Le connaissable. Sujet et objet. Et shneya, c'est le connaissable. Et elle a une base qui s'appelle Ashraya. Shneya Ashraya. La fondation du connaissable. Ou la fondation de l'objet de notre perception. Donc la conscience du tréfonds nous apporte l'objet de notre perception. Quand on regarde, on peut voir les galaxies, le ciel, la terre, toutes ces choses sont les objets de notre conscience. Et elles se manifestent à partir du tréfonds. Et le cosmos, c'est l'objet notre perception, et le cosmos, c'est aussi le sujet de la perception. Tout comme Dieu et ses créatures, et on a aussi notre corps, Ashraya, ça veut dire la fondation, ce qui soutient. C'est ce qui soutient l'objet de la perception. Ashraya. Et ce qui soutient la fondation, la base. Et il y a deux sortes de bases. La première, Jumtai, tout se manifeste à partir de graines, Bija. Bija Shraya. Parce que les graines, c'est ce qui fabrique le cosmos. Et dans la physique moderne, il y a des scientifiques qui pensent que les graines, ce qui fabrique le cosmos, c'est les particules subatomiques.
il y en a qui pensent que qu'il y a un champ de force. Lockdown, champ de force. Et dans le bouddhisme, on parle de graines, comme la graine de maïs, qui donne naissance à la plante de maïs. C'est juste un exemple. Donc tout d'abord, la base de toute chose devrait être cette sorte d'énergie, cette sorte de champ de force, cette sorte de potentiel, potentialité. Et dans cette école du bouddhisme, il l'appelle parfois par un autre nom, Shakti. C'est une sorte d'énergie, comme l'âme. Et à partir de cette sorte de potentiel, de cette énergie, alors tout se manifeste. Quand vous voyez les étoiles, les galaxies, le temps, l'espace, les arbres, toutes ces choses proviennent d'énergie. Et la deuxième sorte de base, c'est Kaoui. Kaoui, ça veut dire qu'ils se basent les uns sur les autres, qui sont ensemble. Ils existent ensemble, ils coexistent. Ou au village, on dit ils intersont. Comme par exemple la gauche et la droite, même si en théorie elles s'opposent, la gauche c'est pas la droite c'est pas la gauche, mais en réalité elles intersont. Elles ont besoin l'une de l'autre pour se manifester, pour exister. Elles ne peuvent pas se manifester toutes seules. L'une doit toujours s'appuyer sur l'autre pour exister. Et c'est pourquoi le verbe être n'est pas très proche de la réalité. On a besoin d'un meilleur mot. Et ce mot, c'est inter-être. Malheureusement, ce mot n'est pas encore dans le dictionnaire. Mais la réalité, c'est que être, c'est inter-être. C'est impossible pour vous d'exister seul. C'est impossible pour la gauche d'être par elle-même. Elle doit inter-être avec la droite. C'est impossible pour le sujet d'être par lui-même. Il doit inter-être avec l'objet. Pareil pour l'intérieur et l'extérieur, pour le haut et le bas, toutes ces choses-là doivent s'appuyer les unes sur les autres pour exister. Ils se manifestent ensemble, ils sont ensemble. Le mot sanskrit, c'est sahapu. Saha Buddha Ashraya. Saha, c'est ensemble. Ko, inter. Buddha, c'est être. Inter, être. Souvenez-vous, vous ne pouvez pas exister par vous-même, vous ne pouvez pas être par vous-même, vous devez inter-être avec nous tous. Comme le Père et le Fils. Le Père ne peut pas être par lui-même. Il a besoin du Fils pour être appelé Père. Et si quelque chose n'a quelque chose qui n'est pas basé sur une de ces deux fondations, est impossible. C'est pourquoi on doit se souvenir de ces deux fondations, de ces deux bases. La première, c'est
basé sur les graines, et deuxième, c'est basé sur l'inter-être. Tumta-i, basé sur les graines. Kauhu-i, basé sur la coexistence, l'inter-être. Donc le tréfonds, c'est une sorte de fondation. Et dans le tréfonds, il y a beaucoup, beaucoup de graines, comme la graine de la vitalité, c'est-à-dire le désir de vivre. Et basé sur cette sorte de désir, cette sorte de force, cette sorte de potentiel, se manifeste une sorte de conscience qui s'appelle la conscience manas. Et manas, c'est la fondation d'une autre conscience qui, elle, s'appelle la conscience mentale. Manas, c'est une sorte de conscience en elle-même. Et basée sur manas, se manifeste une autre sorte de conscience qui s'appelle conscience mentale. Ce matin, on a chanté le sutra du cœur et on a dit qu'il y avait 6 bases. Les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit. Et 6 bases de perception. Et la dernière base, l'esprit, ici c'est manas. Et ils ont tous leur objet. Donc, l'objet de l'œil, c'est les formes. L'objet des oreilles, c'est le son. Du nez, c'est l'odeur. La langue, c'est les goûts. Le corps, c'est les objets tactiles. Et l'esprit, c'est quoi l'objet de l'esprit? C'est les choses, c'est les dharmas, les phénomènes. L'objet de l'esprit, c'est les dharmas, c'est-à-dire les phénomènes. Les montagnes, les rivières. Tout ce qui peut être reconnu par l'esprit est appelé dharma. Mais dharma ici, c'est pas les enseignements du Bouddha, c'est les phénomènes, les choses. Et quand il y a contact entre l'organe sensoriel et l'objet, alors il est produit une conscience. Quand l'œil entre en contact avec les formes, c'est la conscience de l'œil. Ensuite, c'est la conscience des oreilles, la conscience du nez, la conscience de la langue, la conscience du corps et la conscience mentale. La conscience mentale. Donc l'esprit, c'est pas la conscience mentale en elle-même. L'esprit, c'est juste la fondation qui permet à la conscience mentale de naître. Et elle a besoin des objets, des dharmas, des phénomènes pour ensemble
toutes les deux produire la conscience mentale. Donc, on a trois séries de six. On a les six organes sensoriels, on a les six objets des sens et on a les six consciences sensorielles. Et 6 plus 6 plus 6 produisent les 18 domaines de l'existence, des phénomènes. Donc dans le Sutra du cœur de ce matin, on a parlé, on a mentionné les 6 organes sensoriels, les 6 objets d'essence et les 6 consciences sensorielles. Et dans la tradition bouddhiste, dans la tradition de manifestation seulement, on parle de manas en tant que sixième conscience, de la conscience mentale en tant que sixième conscience, de manas en tant que septième conscience et de la conscience du tréfonds en tant que huitième conscience. Et les six premières consciences, c'est celle dont on vient de parler, conscience de l'œil, des oreilles, du nez, de la langue, du corps et conscience mentale. Et la conscience du tréfonds opère comme la fondation, comme la base pour toutes ces consciences. Et les sept autres consciences sont appelées tuentuk, ou bien Tat Tuentuk, c'est-à-dire les sept consciences qui évoluent. Les sept consciences qui évoluent. Et la semaine dernière, on a appris que la conscience du tréfonds avait pour caractéristique d'être non masqué et d'être neutre, c'est-à-dire ni caractérisé par le mal ni par le bien. Neutre. Mais manas, la conscience mentale, ainsi que les six consciences sensorielles peuvent être voilées par l'ignorance, par les perceptions erronées. Parce que, à cause de la façon dont elles opèrent. Quand elles perçoivent les choses, elles n'arrivent pas à voir les choses en elles-mêmes. Elles ne cessent de créer une image de la réalité et de croire que cette image est la réalité. La dernière fois, on a parlé de quand on est amoureux, on crée une image de la personne. Et cette image, même si c'est un objet de notre conscience, mais elle ne fait pas partie de la réalité en elle-même, c'est pas la réalité. C'est juste une représentation. Ce n'est pas la chose en soi. C'est une projection. Et ça commence avec Manas. Manas est né du tréfonds. Et elle s'approprie les cinq agrégats et les considère comme lui appartenant. Ces cinq agrégats sont moi, je suis cinq agrégats. Les cinq agrégats ici, c'est
la forme, c'est-à-dire le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. Et dans le tréfonds, ces cinq agrégats sont des merveilles. Et toutes les choses sont des merveilles, comme les montagnes, les galaxies, les rivières. Mais dans l'œil de Manas, ou selon Manas, toutes ces choses lui appartiennent. Ça m'appartient. Et tout ça commence avec la croyance du soi. Je suis, j'existe. Et je suis quoi ? Je suis les cinq agrégats, ou skandhas en sanskrit. Forme, c'est-à-dire le corps, les sensations, les perceptions, les formations mentales et la conscience. Donc, dans le tréfonds, ces cinq agrégats sont libres, sont des merveilles. Mais dans Manas, ils sont considérés comme lui appartenant. Et on les appelle les cinq skandhas caractérisés par l'attachement. Vous voyez chacun des skandhas comme vous appartenant. En sanskrit, upadana skanda. Upadana, c'est-à-dire l'attachement, et skanda, c'est les agrégats au nombre de cinq. Dans la conscience du tréfonds, c'est-à-dire dans la réalité en elle-même, ces cinq agrégats sont des merveilles, mais selon Manas, ces choses-là nous appartiennent, c'est la propriété du soi. Et c'est pourquoi on dit que l'objet de la perception de Manas n'est pas la réalité en elle-même. Le Manas crée l'illusion du soi et de ce qui appartient au soi. Le soi et ce qui appartient au soi. Le moi et le mien. Na, c'est atma en sanskrit, c'est le moi. Et la deuxième partie, c'est ce qui appartient au soi. Donc Manas est voilé par l'ignorance. Et Manas est basé sur la conscience du tréfonds. Et basé sur la conscience de Manas, on a la conscience mentale, la sixième conscience. Et la conscience mentale a le pouvoir de discriminer, de méditer et de détruire, de passer à travers l'illusion, l'ignorance. Et avec la collaboration des cinq premières consciences, c'est-à-dire les consciences sensorielles, toutes ces choses sont appelées formations. L'œil, c'est une formation. Les oreilles sont des formations. Formation, c'est un terme technique. Il y a différentes sortes de formations. Quand vous regardez un arbre, ou bien un caillou, ces choses-là sont aussi des formations, et on les appelle les formations physiques. Quand vous regardez un animal, ou bien le corps d'un être humain,
ce que vous voyez, c'est une formation physiologique. Et quand vous regardez votre colère, votre désespoir, vous voyez des formations mentales. Donc ça, l'œil, c'est une formation physiologique. Les formes, c'est des formations physiques. Et la conscience visuelle, c'est une formation mentale. Toutes les choses dans l'univers sont des formations. Les étoiles sont des formations, le corps, c'est la formation, ce marqueur, c'est une formation. Et ce terme, formation, en sanskrit, se dit samskara.